Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Rage 2 sur Xbox One X. Par contre, j'aurais peut-être dû commencer la vidéo après tout ça là. Non, c'est bon. Ça a l'air. Alors, on va regarder vite fait les paramètres. On va activer les sous-titres pour. Ouais, bon, on verra ça, je verrai après, mais je vais juste vous mettre les sous-titres. Hein, machin. Il n'y a même pas de HDR. Ah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va se laisser en normal. Donc, Rage 2, je vais le refaire à la française. Donc, on est sur Xbox One X. Je vous fais la capture en 4K. C'est une vidéo découverte cette fois, mais je pense que je vous referai une deuxième vidéo. Bref, on en parlera après. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rain. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé. Encore immatures. Déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf à cause de cette populace, naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Voilà, alors. Qu'est-ce qui se passe dehors ? Sélectionner. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. On va faire ça. Normalement, on peut le. Hein. Personnalisé, ouais, il me semble, fait. Après. Prendre des armes. C'était quoi, ça ? Allez. On va prendre un petit flingue. Bon, bah dit. Ça envoie pas mal, déjà, dès l'intro. On va pas faire une vidéo trop longue, parce que je vous fais une belle capture. J'essaye, en tout cas. Que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. Il y en a forcément une quelque part, mais... T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Ah, excusez-moi pour le micro. Je te l'ai dit. J'ai tapé dedans. C'est la sauce finale. Ok. Alors on fonce dans le tas. J'aime bien entendre ça, on fonce dans le tas. Merde. La gueule. T'as eu chaud ? Même
quelque part. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mon truc. Walter, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite. On arrive. Ça tire fort, hein. Après, en plus, j'ai qu'un petit flingue. Allez, dans la tête. Par contre, c'est fluide, hein. Ça tourne 60 images secondes. Ça fait plaisir. C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eue. Je déconne pas. Alors, on y va. On va aller chercher une jolie médaille. Alors, sur les gardes avenues pour régénérer votre santé. C'est ça, là ? Ah oui, d'accord. Alors, utiliser une infusion de santé pour la régène. Ok. Je me tire dessus. Maman nous attend dans la cour. C'est là que ça castagne le plus. Oh putain. Oui. Bon, j'ai mes oreillettes là, enfin j'en ai mis qu'une parce que vu comment ça pète, sinon je vais pas m'entendre et. Oh. Putain, il lui a arraché la tête. Adieu, Ranger Jersey. Il se remettra avec un pansement. Putain, quel humour. C'est à moi de jouer maintenant. L'armure est à moi. Eh bah, vas-y. Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais. Il s'est fait arracher la tête, le mec. Enfin, il s'est fait bouffer la tête. Ah ouais, merci. Un bon petit flingue. Bon, je vais peut-être faire un petit peu plus long que d'habitude, hein, quand même. Hein, parce que ça a l'air de bien péter. Ouais, ok. J'arrive. Hey Walker, sergent Daron a besoin de toi dans la cour. Magne-toi. RB. Lui. Bon, alors, autant il y a des jeux, souvent je me dis faut augmenter la sensibilité. Là, faudrait peut-être même la descendre un petit peu. C'est bien, c'est qu'il y a la petite icône de tête de mort quand il crève. C'est pas mal. Permet de savoir tout de suite qui sont morts dans ce bordel ambiant parce que ça envoie quand même du lourd. Alors là évidemment c'est l'intro, c'est pour ça que c'est assez linéaire et assez scripté. Parce qu'après c'est un jeu monde ouvert. Où la vie ne remonte pas toute seule, ça change un petit peu. Parce que ça pour les plus jeunes, tous les jeux avant c'était comme ça. Hein.
Bon. Voilà, c'est un peu compliqué de viser avec cette arme-là. Elle a pas mal de recul. Je regarde, je fais le tour quand même, s'il n'y a pas des choses à ramasser. On va y aller, on va se dépêcher. Merde. Wow. Sacrée explosion. Par contre, le jeu est vraiment super fluide. Bon, en vrai, on est sur la One X. Hein. Bon, ils ont bien le point faible de la tête. Ah, on peut faire une glissade. Tu te souviens de ce qu'on a appris à l'académie sur les armures de Ranger? Une fois chargé, tu peux activer l'overdrive et déjecter tes ennemis. Ça pète, hein. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement baisé, hein. Il y a des effets dans tous les sens. J'ai pas bien compris comment ça marchait encore. C'est l'autre là-haut qui me nique. Allez. Alors si vous entendez un petit souffle de temps en temps, c'est pas du tout la console, c'est mon PC qui est à côté. Qui me sert à enregistrer ma voix. Il fait des tout seul comme ça. C'est le ventilo dedans. Je vais y par là. Où en est le Ranger Jersey? Ma chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, Ranger, modèle, surtout pour Lily. Elle m'a recueillie à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'une orpheline sauvage puisse souhaiter. Walker au rapport, viens là! C'est l'armure de Jersey. Jersey. Ils l'ont tué. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. Oh la vache. C'est quoi ce bordel? Ah là, je veux bien être courageux et armé et tout ce que vous voulez, mais... Impossible. Mais je l'ai tué. Le général Cross. Je veux la première génération. Tuez tout le reste. Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique, notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux pestes comme moi. Je sais pas si Prolet est devenu dingue ou si elle a raison. Mais peu importe. Dans tous les cas, je le laisserai pas faire. Ce fils de... Reste ici. Je te donne un ordre. Attention! La gueule du truc. Il est énorme.
Ouais, oui, là, ça peut lui faire mal à la gueule, quoi. Quand elle s'est fait attraper, là. Bon bah dit, ça commence plutôt fort hein, quand même. Hein. Vache. Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez. Attends. Putain, j'étais plus dans les vapes. Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. Croix-il. Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité... J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit y faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers, aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Et ils les gardaient dans le Presidio. QG des Rangers ? T'es malade. Y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh, merde. Mais ouais, mais oui, moi, ma petite. J'allais dire mon petit. Voilà, donc là, on se retrouve un petit peu plus dans ce que... ce qui est Rage, ou Rage, hein, à la française. C'est un jeu dans lequel, bon, pour l'instant, on est encore dans des scripts et tout, puisque c'est l'introduction du jeu. Mais c'est un jeu dans lequel on se balade librement. Et dans lequel on a des objectifs à remplir. En tout cas, le premier était comme ça, mais celui-là, logiquement, d'après les previews, c'est pareil. Il y aura pas mal d'environnements différents. D'ailleurs, apparemment, il y aura une jungle, il y aura du désert. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien. Il y aura pas mal de choses. Caporal Walker. Je suis venu chercher des infos sur ma... sur le sergent d'unité de Ranger Ervina Prolet. Traitement. Protocole de sécurité désactivé. Allez, laisse-moi rentrer. Merci. Ciblerait les rangers et les anciens. Tu es mon arme secrète. Désolée de te l'avoir caché.
Ça, c'est cool, ça. Avec plaisir. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, feu Prolet. Il faut sûrement faire le tour par là. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est fluide, vraiment. Ça tourne à 60 images secondes, on l'a vu quand il y avait toutes les explosions et tout. Il n'y a pas de baisse de framerate. Ça, c'est vraiment cool. 401A. Allez, Sésame, ouvre-toi. Alors, je dois juste mettre ma main là-dedans et croiser les doigts. Attention les yeux. Bienvenue dans la salle de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'Arche et vos idées intronisation. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation ruée. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et serez plus difficile à toucher. Votre corps donne des capacités spéciales, certes, en utilisant LB. Ok. Bien. Encore une fois. Et encore. Bon travail. Une simulation vous permettra de vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. Ouais, c'est normal. Refaites-le. Encore une fois. Ouais, on va pas le faire 150 fois non plus. Donc là, je peux le faire sans la ruée. Vous avez terminé votre entraînement. Merci. Bon, ça va, c'est pas trop long. Que ça me bouffe le bras? Reviens dans le hall principal. J'ai d'autres informations pour toi. Recevoir des ordres de ma tante morte, c'est quand même bizarre. Allez. On va retourner dans ce foutu hall. Il y a des effets de lumière assez sympas. Voilà, vous voyez, vous avez... Bordel.
tu pensais me balancer tout ça comme ça et disparaître? Hein? Tant de prolets? Bon, bah je suppose vous que avez c'est plusieurs objectifs comme ça dans un monde ouvert. Regardez à quelle distance sont les objectifs là-haut sur mon radar. Ça vous donne une idée un petit peu de la taille du truc. Lily, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Gvasir et Louza Magar. Ils font tous partie du plan élaboré pour arrêter l'autorité, le projet DAG. Ok, c'est costaud comme commande. Ouais, même depuis l'au-delà, ta mère déconne pas. Trop tôt, Walker. Ah, désolé, Lily. Mais bon, je suis prête à explorer le Westland. Je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. J'arrive. Alors, on va peut-être pas continuer très longtemps cette vidéo, mais par contre, je pense que j'en ferai d'autres, au moins une autre, parce que il y a quand même de quoi faire des choses sur ce jeu. Et je vous avais dit qu'au mois de mai, on allait enchaîner. T'as trouvé quoi? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. Ta survie en dépend. On va commencer par ta caisse. Alors, l'écran des projets. Vous pouvez y acheter des projets à l'aide des points de projet que vous avez amassés. Ok. Bon, bah tout ça, en plus, c'est des choses que je pourrais peut-être vous montrer un petit peu plus quand j'aurai un petit peu avancé dans le jeu. Et le menu véhicule. En plus, il y a eu un bonus de précommande. Il y avait un bonus de précommande, mais je sais même pas ce que c'est, en fait, ce que ça a rajouté. Ramener un semblant d'ordre à Vineland. Avec un peu de chance, tes trois contacts du projet DAG te proposeront la même chose. Parce que ça te fera vraiment pas de mal de t'endurcir avant d'affronter l'autorité. Merci pour le conseil. Bon, allez, j'y vais. Le monde dehors, c'est pas de la rigolade, alors fais attention. Et va pas foutre le bordel. T'es un ranger maintenant. Comporte-toi comme tel. Oh, et John Marshall de Gunbarrel est ton contact le plus proche. Tu devrais commencer par là. Fais gaffe, on a besoin de toi. Ok. Alors on va juste, je pense qu'on va juste prendre le véhicule. Bon, par contre dans le menu c'est un petit peu lent, il y a une petite latence. En plus voilà, il y a des améliorations après sur les véhicules. Bon, vous m'excuserez pour le bruit, il y a un avion qui va passer. Il est où ce foutu garage par contre? C'est ça? Non, ça m'étonnerait que ce soit ce truc-là. Merde. Je suis un peu con ou comment ça se passe? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais avancer un petit peu dans le jeu et puis bah... Je protégerai les survivants. Occupe-toi de nettoyer le Wasteland. Je pense qu'on va... Je vais avancer, puis je vous referai une vidéo. Une petite vidéo, après on va avoir des motos, tout ça, c'est cool. Ah bah non, mais il est là-bas mon véhicule, en fait, je suis trop con. Je vous referai une petite vidéo un petit peu plus... Un petit peu plus tard. Eh ben, regardez un peu qui voilà. Ranger, c'est ça? Je suis Phoenix. Je suis belle et... Et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi et moi? Ouais, bah... Ok. Ah bah c'était ça en fait. Le petit bonus de précommande. Bon, il y a un petit peu de clipping. Voilà, quand même. Ah ouais, il y a du clipping quand même. Bon, on va s'arrêter là. Et je vous referai une vidéo un petit peu plus loin dans le jeu. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.